Ville double, ville mirage, Lyon est une porte vers le soleil méridional, mais elle se couvre parfois des frimas d'un hiver rigoureux. Ville horizontale, établie au confluent de la Saône et du Rhône, elle est aussi une ville verticale qui grimpe vers les collines qui la dominent. Lyon n'oublie pas qu'elle fut d'abord une ville romaine. Ses vieux quartiers sont d'ailleurs chargés d'une histoire très ancienne. Mais Lyon se veut aussi une ville moderne et a entrepris une véritable politique des transports et de rénovation urbaine. Ville souterraine et mystérieuse, Lyon sait aussi être une ville aérienne et ensoleillée. Lyon, ville double, ville mirage, fruit et prédateur, ton image passe par mon fil, je lui donne son poids ou ses ailes. Le centre contemporain de la ville de Lyon se situe sur une presqu'île entre le Rhône et la Saône. La place Bellecour marque le centre géographique de la ville. Au nord, la place des Terreaux est entourée de l'Opéra, de l'Hôtel de Ville et du Musée des Beaux-Arts. Au sud, la place Carnot se situe à proximité du centre d'échange de Perrache. Ces places sont reliées entre elles par la rue de la République et la rue Victor Hugo. De la place Bellecour, le pont Bonaparte permet de rejoindre la rive droite de la Saône, où se dresse la cathédrale Saint-Jean qui marque le centre de la vieille ville. Le vieux Lyon se subdivise en trois quartiers, le quartier Saint-Paul, le quartier Saint-Jean et le quartier Saint-Georges. Le vieux Lyon est dominé par la colline de Fourvière, où se trouvent les théâtres romains et la basilique Notre-Dame de Fourvière, d'où l'on découvre un magnifique point de vue sur la ville. Au nord de la ville, près de l'ancien confluent du Rhône et de la Saône, se trouve le quartier des Terreaux, dominé par la colline de la Croix-Rousse, où se trouvait jadis l'amphithéâtre romain. De nombreux ponts relient le centre de la ville à la rive gauche du Rhône, où se sont développés les quartiers modernes, aux environs de la Part-Dieu. C'est aussi sur cette rive du Rhône que se trouve le parc de la Tête d'Or, véritable poumon vert de la ville. En ce mois de janvier 1994, particulièrement pluvieux, la Saône et le Rhône sont en crue. Du pont Bonaparte, on découvre la Saône et le quartier de la Croix-Rousse qui domine la vallée.
L'imposante église primatiale Saint-Jean, d'architecture romane, commencée au XIIe siècle, fut achevée 3 siècles plus tard par sa façade de style gothique. Les portails abritent 368 médaillons du début du XIVe siècle qui relatent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Au nord de la cathédrale, le jardin archéologique, aménagé en 1980 à la suite de fouilles, permet d'observer les restes des baptistères Saint-Étienne et de l'église Sainte-Croix. À droite de la cathédrale, la manécanterie ou maison des chantres date de 1090. C'est l'une des rares constructions civiles du haut Moyen-Âge. Ce bâtiment servit jadis de logement au petit clerc de la cathédrale. Il sert aujourd'hui de chapelle paroissiale et de musée du trésor de la cathédrale. La nef de la cathédrale Saint-Jean, haute de 36 mètres, comporte 4 travées doubles et présente une grande unité de style, bien que sa construction se soit déroulée pendant plus d'un siècle. L'horloge astronomique du XVIe siècle, avec automate, est une merveille de mécanique qui marque les fêtes depuis 4 siècles. Près de la place Saint-Jean, une nouvelle station de métro permet d'accéder à une ligne sur crémaillère et à la ficelle, nom typiquement lyonnais donné au funiculaire, qui permet de gravir la colline de Fourvière.
L'esplanade de Fourvière permet d'embrasser Lyon et la région d'un seul regard. On surplombe les toits typiques du vieux Lyon, dominés par la cathédrale Saint-Jean et ses quatre tours. Derrière, la courbe de la Saône et la presqu'île. De gauche à droite, on peut voir la colline de la Croix-Rousse, les terreaux, l'hôtel de ville, l'opéra et enfin, derrière la cathédrale Saint-Jean, la place Bellecour. La basilique de Notre-Dame de Fourvière est omniprésente dans la vie des Lyonnais. Elle domine de 170 mètres la rive droite de la Saône. Elle fut construite par l'architecte Bossan en 1896 sur une idée de l'archevêque de Lyon qui, en 1872, souhaitait remercier la Vierge d'avoir arrêté l'envahisseur prussien à Dijon en 1870. La basilique reflète le style éclectique du 19e siècle, mêlant les influences gothiques et byzantines, pharaoniques et baroques. La décoration intérieure de Notre-Dame de Fourvière est très riche. Les mosaïques et les vitraux, d'influence byzantine, comptent l'épopée de la Vierge dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'Église. Les trois coupoles de la nef illustrent la virginité et la Trinité. Très vaste, avec ses trois travées sous coupole, la nef de l'église supérieure frappe par l'écrasante richesse de sa décoration de marbre précieux et de mosaïques géantes, frisant parfois le mauvais goût. La crypte, elle-même décorée dans un style aussi ampoulé, abrite un autel en marbre de Carrare, incrusté de mosaïques. Le musée de la civilisation gallo-romaine s'incruste dans la colline de Fourvière. Le musée présente chronologiquement des vestiges de l'histoire de la fondation de Lyon et de l'époque gallo-romaine. La maquette de Lugdunum, nom romain de la ville, présente la configuration initiale du confluent de la Saône et du Rhône, ainsi que les différents bâtiments publics romains
dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui. Par les fenêtres du musée, on aperçoit les théâtres romains qui, restaurés, servent encore aujourd'hui au spectacle. Lieu de fondation de Lugdunum en 43 avant Jésus-Christ, le site des théâtres antiques de Fourvière comprend un grand théâtre, un odéon, les soubassements d'un temple de Cybèle et les restes d'un quartier artisanal que l'on découvre en entrant sur le site. Commencé en 1933, les fouilles ont permis de mettre à jour plusieurs édifices publics antiques. L'un des plus anciens du monde romain, puisqu'il date du 1er siècle avant Jésus-Christ, le Grand Théâtre est également l'un des plus vastes. Il pouvait en effet accueillir plus de 10 000 spectateurs. Appelé le Petit Théâtre, l'Odéon était un véritable auditorium. Il est le seul que l'on connaisse en Gaule avec celui de Vienne. D'une capacité de 3000 places, il était utilisé pour des représentations musicales, des récitations poétiques et des lectures publiques. De la colline de Fourvière, d'énormes escaliers descendent vers la vieille ville. Le Vieux Lyon est l'ensemble Renaissance le plus étendu de France et surtout le plus homogène. Les nombreux hôtels particuliers et riches demeures furent, entre le XVe et le XVIIe siècle, le théâtre d'une vie si intense que Lyon faillit devenir à cette époque la capitale du royaume. À côté de l'enseigne de l'Outarde d'Or, à l'angle de la rue du Bœuf et de la Place Neuve, on remarque l'enseigne représentant un bœuf sculpté du XVe siècle qui donne son nom à la rue.
Numéro 16 de la rue du Bœuf, la maison du Crible date du XVIIe siècle. Cette demeure est communément appelée la Tour Rose, car elle possède une célèbre tourelle d'escalier vénitienne, crépie de vieux roses, saillante, ouvrant ses fenêtres en plein cintre sur une cour où s'étagent les jardins suspendus. Les fenêtres à meneaux, les cartouches sculptées, les croisées d'ogives, les pinacles, les escaliers à vis, les arcs trilobés, les tours d'escalier, les jardins suspendus et les balustres de pierre rythment la promenade du visiteur et le séduisent. Gageons qu'il sera plus sensible encore à l'atmosphère qui baigne ces quartiers, témoin de tant de faste et de misère, de tant de fêtes et d'émeutes, de cris de joie et de colère, que leur rumeur nous atteint toujours pour peu qu'on y prête l'oreille. Rue de la Juiverie, la maison Baronna est décorée d'une tourelle d'angle en encorbellement et présente une belle façade de style ogival décorée d'animaux grotesques. En face, l'hôtel Dugas doit son surnom de maison des lions aux têtes qui ornent sa façade. Au numéro 8 de la rue de la Juiverie, l'hôtel Bulliot
premier exemple architectural de la Renaissance, bénéficie sur la cour d'une très élégante galerie sur trompe réalisée par Philibert de Lorme en 1536. Le quartier Saint-Georges, situé au sud de la vieille ville, abrita les canuts lyonnais avant qu'ils n'émigrent vers les pentes de la Croix-Rousse. À l'angle de la place de la Trinité, le vieux Café du Soleil, ancien couvent, était le décor traditionnel des pièces de Guignol. La rue Saint-Georges, établie sur le tracé d'une ancienne voie romaine, possède de nombreuses maisons anciennes. On remarquera notamment l'enseigne sculptée d'un coq des Bruyères. Reconstruit au début du XVIe siècle sur un logis du XIVe, l'hôtel de Gadagne fut racheté en 1445 par une famille italienne de richissimes banquiers qui lui donnèrent leur nom. Dans la cour, aux quatre escaliers d'angle, le puits provient d'un autre hôtel. Au fond, les trois étages de la galerie datent de la reconstruction et relient aujourd'hui les différentes parties du musée qui s'y est installé. Le musée historique de Lyon, situé dans l'hôtel de Gadagne, comprend de très nombreux objets et documents relatifs aux grands événements de l'histoire lyonnaise. Dans le musée de la marionnette sont exposés les personnages inventés par Laurent Mourguet, le créateur de Guignol, qui voisine avec une collection de marionnettes de tous les pays. Rue de la Lainerie, on aperçoit une belle façade gothique de la fin du XVe siècle, ornementée et richement sculptée. Il s'agit de l'hôtel Maillet de Beauvoir.
sur la place du Change, la maison Thomassin est l'une des rares demeures de la pré-Renaissance. Elle possède une façade du XIVe siècle. La place Bellecour est encore aujourd'hui l'une des plus grandes places d'Europe et elle conserve une importante animation. En son centre s'élève une statue équestre de Louis XIV, réalisée par Lemot en 1825. Le clocher du XVIIe siècle qui s'élève sur la place Antonin-Poncet est le seul vestige qui subsiste du grand hôpital de la Charité, détruit en 1934 pour faire place à la grande poste et à la trésorerie principale. La ville de Lyon a toujours aimé la lumière. Une fête est même organisée sur ce thème à la fin de l'année. La ville a également fait de nombreux efforts pour illuminer ses bâtiments publics et privés, les féeries lumineuses devenant ainsi pratiquement quotidiennes.
L'éclairage nocturne de la bourse met en relief l'ensemble de la décoration sculpturale de sa façade. À proximité de l'hôtel de ville et de l'opéra, la place Louis-Pradel vient d'être aménagée. Des fontaines et des sculptures contemporaines décorent ce vaste espace entouré d'immeubles modernes. L'opéra, plusieurs fois victime d'incendies, fut reconstruit en 1754 par Germain Soufflot. La municipalité décida à la fin des années 80 de revoir la structure du bâtiment. Jean Nouvel fut choisi pour concevoir une salle à vocation internationale, accroître la capacité d'accueil et améliorer l'acoustique. Il couvrit le bâtiment existant d'une vaste structure en acier et réaménagea complètement l'intérieur du volume occupé par les salles de spectacle. Les espaces d'accueil des visiteurs étant relativement étroits, Jean Nouvel les a complètement peints en noir afin de faire disparaître tous les volumes. L'originalité de cette solution et la brillance des surfaces créent le spectacle dès l'entrée dans le hall d'accueil. Certains spectateurs s'en trouvent néanmoins déroutés par cette décoration pour le moins étonnante.
L'ancien foyer de l'opéra a néanmoins été complètement restauré dans son état initial et brille aujourd'hui de tous ses ors, symbolisant la richesse exubérante des siècles passés. L'hôtel de ville se dresse sur la place des Terreaux, actuellement en cours de réaménagement. Il est l'un des plus remarquables de France, date du XVIIe siècle et est surmonté par un beffroi. Les portails de la rue de la République sont bien souvent décorés de cariatides. Les angles des rues sont, quant à eux, décorés de statues de la Vierge. Le long du Rhône, face au bâtiment de la piscine, se dresse l'imposante façade de l'Hôtel Dieu. Au XVIIe siècle, l'architecte Soufflot fut chargé du réaménagement et de l'extension de l'Hôtel Dieu. On lui imposa de construire une façade monumentale qui devait impressionner le voyageur. Cette façade néoclassique, longue de 325 mètres, est surmontée d'un grand dôme reconstruit après un incendie en 1944.
Le musée des Hospices civils de Lyon présente des boiseries du XVIIIe siècle provenant de la salle du Conseil de la Charité, ainsi que du mobilier et des instruments retraçant l'histoire de la vie hospitalière à Lyon. Dans la salle des archives, on peut voir de belles boiseries de chêne exécutées par des artisans lyonnais au milieu du XVIIIe siècle. L'apothicairerie de la Charité, qui date du début du XVIIe siècle, présente des souvenirs liés à la vie médicinale lyonnaise. Le dôme des quatre rangs ouvrait sur quatre salles disposées en croix autour d'un autel, permettant ainsi aux malades de suivre la messe et d'utiliser le dôme comme puits d'aération. La tradition hospitalière lyonnaise est à l'image de l'Hôtel-Dieu qui fut longtemps un modèle pour les hôpitaux français et européens. Rabelais y pratiqua la médecine et y écrivit son Pantagruel et son Gargantua. La direction de l'hôpital fut assurée tour à tour par des laïcs, des religieux et des échevins pour être finalement gérée depuis la Révolution par une commission administrative des Hospices civils de Lyon.
Le musée de l'imprimerie et de la banque est installé dans l'ancien hôtel de la Couronne qui date du XVe siècle et où se réunissaient les consuls de la ville de 1604 à 1655. C'est l'un des trois musées de l'imprimerie en Europe avec ceux de Mayence et d'Anvers. Le musée des Beaux-Arts est installé dans le vaste palais Saint-Pierre, situé sur la place des Terreaux. Ancienne abbaye royale des Dames de Saint-Pierre, ce palais fut érigé en 1659 sur l'emplacement d'une ancienne abbaye. L'ancien cloître est le lieu idéal de tout visiteur qui cherche un havre de calme et de paix. Le cloître est décoré de sculptures de Rodin, Bourdel, Carpeaux et d'artistes lyonnais. L'ancien réfectoire du couvent, situé au rez-de-chaussée, possède un décor baroque dû au sculpteur Blanchet. Thank you.
En 1816, le pape Pie VII offrit à la ville de Lyon cette magnifique toile de Pérugin, peinte en 1496 et représentant l'ascension du Christ. Cette toile formait initialement la partie centrale d'un polyptyque destiné à la basilique de Pérouse. Le musée des Beaux-Arts de Lyon, actuellement en cours de rénovation, est le plus important de France après le Louvre. Sculptures, peintures, art oriental, objets d'art, collections exceptionnelles de peintures des 19e et 20e siècles constituent une part très riche de ces collections. Les collections impressionnistes du musée sont particulièrement intéressantes. Elles présentent notamment des toiles de Monet, Sisley, Renoir, Gauguin et Bonnard. Sous un nu opulent, peint par Adeline Oppenheim, épouse d'Hector Guimard, sont exposées les 28 pièces provenant du mobilier personnel de cet artiste Art Nouveau, qui créa les célèbres décorations des bouches du métro parisien. L'une des salles du musée présente d'immenses toiles du XVIIe siècle dues à Philippe de Champaigne et à Jean-Baptiste Jouvenant. Ces peintures étaient initialement destinées à la décoration d'églises parisiennes. Une toile de Rubens destinée à une église d'Anvers est actuellement en cours de restauration. Cette toile fut saisie par les Français en 1794 et présentée au Louvre en 1803. Le
décor de l'escalier du musée est dû à Pierre Puvis de Chavannes. Il fut posé ici entre 1884 et 1886 et a pour thème les muses, l'antiquité, la chrétienté, le Rhône et la Saône. Dans le quartier des Terreaux, l'amphithéâtre des Trois Gaules fut érigé en 19 après Jésus-Christ. Il comportait des gradins où était indiqué le nom des 60 tribus gauloises dont les représentants se réunissaient ici tous les ans le 1er août. C'est dans cette arène qu'eut lieu en 177 le martyre de Sainte Blandine et de ses compagnons et que s'alluma le foyer du christianisme en Gaule. Largement détruit au XIXe siècle, l'amphithéâtre fut remis à jour par des fouilles récentes et seule sa partie nord reste aujourd'hui visible. Par la rue de l'Annonciade, on peut atteindre le jardin des Chartreux qui domine la vallée de la Saône et à partir duquel on découvre des vues magnifiques sur la ville et sur la colline de Fourvière qui se trouve de l'autre côté de la vallée. Thank you.
En descendant par l'un de ces escaliers interminables caractéristiques de la ville, on atteint les bords de la Saône, inondés de soleil. Un peu plus au sud de la vallée, face à l'église Saint-Georges reconstruite au XIXe siècle, la passerelle métallique Saint-Georges permet de rejoindre le quai Tilsit et la presqu'île. La basilique Saint-Martin d'Aîné s'élève sur le site d'une abbaye carolingienne reconstruite au XIIe siècle et dévastée lors des guerres de religion et de la Révolution française. Seule l'église romane témoigne encore de l'ampleur de cette abbaye. De
Depuis le pont de l'université, on découvre la piscine située sur la rive gauche du Rhône. On longe ensuite le Rhône, le long du quai Claude Bernard, où sont amarrés les bateaux de plaisance bloqués par la crue hivernale. Depuis 1976, le centre d'échange de Perrache, situé devant la gare, est construit sur la liaison autoroutière Paris-Marseille qui passe ici en souterrain. La création de la place Carnot est liée à l'aménagement de la gare de Perrache. La place est un lieu de vie important pour les Lyonnais, mais aussi pour les voyageurs en attente d'un train. Deux immenses statues y ont été réinstallées lors de la construction du métro. Le parc de la Tête d'Or a été créé en 1856 par deux paysagistes suisses qui s'inspirèrent des jardins anglais. La légende veut qu'une tête du Christ en or, enfouie dans l'ancien domaine, lui ait donné son nom. Le parc comporte un lac de 16 hectares, un parc zoologique et un jardin botanique. Les serres du parc de la Tête d'Or sont dans la plus grande tradition de l'aménagement des grands jardins du XIXe siècle. Thank you.
Les entrées du parc de la Tête d'Or sont marquées par d'élégants portails de ferronnerie exécutés en 1901 par Jean Bernard, un serrurier anarchiste qui venait de sortir de prison. Depuis les quais du Rhône, différentes montées permettent d'atteindre à pied le quartier de la Croix-Rousse, qui vécut durant 150 ans au rythme des métiers à tisser. C'était ici le royaume des canuts, dont l'histoire passionnelle et courageuse flotte encore dans les célèbres traboules de la ville. De la place Bellevue, on peut redescendre vers le centre de la ville par la rue des Fantasques, qui offre de jolis points de vue sur le Rhône et sur les quartiers de la rive gauche. L'imposante façade de l'église Saint-Polycarpe fut élevée au XVIIIe siècle par l'architecte Soufflot. Le mot traboule, essentiellement lyonnais, est d'origine latine. Trabouler, c'est communiquer d'une rue à l'autre en traversant plusieurs immeubles par des couloirs et des cours intérieures.
La cour des Voraces, impressionnant espace clos, abritait au XIXe siècle les réunions de la société secrète des Canuts, les Voraces, qui joua un rôle important dans les révoltes de 1848. Guillon peut déconcerter celui qui vient la découvrir. Elle a perdu tous ses canuts, mais elle a conservé ses panoramas et en a inventé d'autres. Elle ne demande qu'à vous révéler ses origines romaines, sa vieille ville Renaissance et ses nombreux musées. Guillon a réussi aussi à recréer une animation digne du grand carrefour de l'Europe, qu'elle est depuis de nombreux siècles. We'll be right back.